Bonjour tout le monde, c'est Samira. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite révision de ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Ensuite, on va faire la dictée numéro 2. Vous êtes prêts? On commence? Bien sûr, on a vu les sons. On a l'écriture en cursive et en script, et bien sûr l'écriture du son. D'accord? Le son. Comme un serpent. Et on a le son. Comme si on frotte. D'accord? Maintenant, on va lire les syllabes. On commence. Ce. Ce. Et la dernière syllabe. J'espère bien que j'étais bien claire. Alors, on va passer maintenant à la dictée. Alors, bien sûr, la dictée, on va utiliser une petite ardoise avec un marqueur. Ok? J'espère que vous avez bien compris la méthode de la dictée parce qu'il faut écrire ce qu'on entend. Et avec les gestes de Borel Mazzoni, il faut écrire ce qu'on voit comme geste. D'accord? Alors, vous êtes prêts? On commence? Alors, on a ici. Va. 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 On corrige. Ce qu'on a entendu, c'est les deux sons. V plus A. Donc, il faut essayer de les écrire. Donc. Va.
on a entendu V et maintenant, deuxième syllabe. Corrige. Alors, on a entendu bien sûr le son F et on a entendu aussi I. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire le son plus le son I. On est d'accord? Notre syllabe? Corrige. J'espère que vous avez bien entendu le son. Il y a le son et le son E. Alors, quatrième syllabe. C'est amusant de faire la dictée quand même. Vaut. On corrige. Bien sûr, il y a combien de sons? Il y a vaut. Il y a deux sons. V plus O. D'accord? Corrige. Il y a deux sons comme d'habitude parce qu'ils sont des syllabes normales. Ri. D'accord? Après, on va ajouter une autre syllabe. Su. Su. Corrige. Comme d'habitude, il y a seulement deux sons. C'est le son F plus E. Le son E. D'accord? Quoi encore? On va ajouter vu. Ce sont les sons V, U, corrige. Bien sûr, il y a deux sons. V. V.
Il y a bien sûr deux sons. Ce sont les sons V plus le son E. Alors, j'espère bien que vous avez bien saisi la méthode de la dictée. Et je veux vous dire au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah.